prouverait pas que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Sonic, Sega, c'est plus fort que toi. Alors, Marge, qu'est-ce que tu penses de l'économie? Sans vouloir être pessimiste, je sens que je vais m'éclater. Tu vas arrêter, j'essaie de me concentrer. Et moi, d'être un petit peu romantique. Toi, franchement, tu manques d'entraînement. Au fait, il y a une couleur que tu préfères. Il est là. Réflexe. Eminem. Il est là. Non, touche pas. Casquette. Pas la casquette, on a déjà parlé de ça. Ok, Crambi, est-ce que t'es prêt pour une... Je veux... Oui, vas-y. Tu peux y aller. Est-ce que t'es prêt pour une journée entière à faire du... Attends. Du light gun, Crambi, regarde toutes ces consoles, regarde comme c'est magnifique, toutes ces vieilles consoles bien rétro. Ah, rien ça, une bonne vieille Super NES américaine. On va faire du light gun. Alors le light gun, je sais pas si tu te souviens, t'avais ton gun, c'était comme dans les salles d'arcade en fait, mais c'était chez toi. Tu tirais sur ta télé et tout avec ton gun en plastique. Maintenant t'as la VR, t'as la Wii et compagnie. Mais à l'époque, t'avais vraiment le gros gun en plastique, c'est pa pa pa. Et donc ça a commencé, ouais, je crois, avec la NES. Ouais, c'était la NES avec Duck Hunt, hein, le avec jeu plus Duck populaire Hunt, bah, encore le aujourd'hui. Le plus connu, c'est clairement Duck Hunt. Après, t'as Wild Goldman, parce que tac tac, c'est le jeu qui joue dans Retour vers le futur 2. Ça alors, Wild Goldman. Après, on a d'autres petites surprises, donc on va se lancer là-dedans, on va s'enchaîner plein de jeux, on va finir sur de la PlayStation, parce que ça c'est incroyable, là on va faire des vrais jeux. Attends, un duck, deux ducks... Alors déjà, comment ça se joue? Ah, faut peut-être tirer. Alors oui, mais je sais pas où j'ai tiré. Ah, c'est que j'ai jamais joué, c'est incroyablement culte et Ah, il a fly away. J'aimerais tellement pouvoir faire le tir. Oh, boum, et voilà. J'ai eu. Attends, c'est moi qui tire. Attends, mais on peut tous les deux parce que là, tire pas. Essaye, ouais, pas. Vas-y, tire. J'ai peut-être mis deux joueurs, hein, je sais pas, J'entends le... Ouais, j'entends le... En tout cas, c'est quoi, je vais au moins le son un petit peu. Attends, mais c'est vrai qu'on peut jouer tous les deux. Je l'ai eu. Oh. Attends, mais deux secondes. J'aime pas. C'est de la coop. Bah, je crois. Boum. C'est moi, ça, hein. Mais non, c'était moi. Comment on peut savoir c'est qui est qui? Mais non, c'est moi. Là, c'est moi. Là, c'est peut-être toi. Là, c'est moi. Je pensais que c'était moi, mais ça se peut que ce soit toi. Ça se trouve, c'est l'ordi qui joue, c'est une démo qui tourne. Merde, comme je tire comme un pro, moi. Bon, tu l'as eu, mais. Bam! Bam! Alors, c'est moi. Ah, c'est nul, hein. Enfin, je veux dire, c'est bien, mais c'est nul. Enfin, c'est, ça vieillit, quoi. Bon, c'est quoi? On va jouer à un autre jeu. Oh, merde! Oh, merde! Ok. Bon, ramène-moi le jeu de Retour le futur 2, là, si on sait où on l'a foutu, c'est pas lui. Freedom Force. C'est pas ça. Vas-y, allume. Ok, bah ça s'allume direct, dis donc. Mais c'est le même. C'est le même jeu. Alors, c'est un peu le même... Un Outlaw, deux Outlaw, bah je sais pas, gang, BAM! BAM! Mais okay, c'est moi je suis à gauche. Je m'occupe du... Sérieux?
Déjà ? Ok, c'est hardcore. Je prends le centre et la droite. Bon, j'étais au centre, mais ok, ok. Bah, on prend tous les deux centres. Quoi ? Je ne comprends plus ! Je te jure. C'est quoi, pour l'instant, il n'y a pas à droite. Reste au centre. Peut-être. Là, il n'y en a qu'un. Là, il y en a un en haut, j'en occupe. Boum. En fait, je crois qu'il faut pas le tuer, celui en haut, parce que je tire sur celui au centre, mais ça marche pas. Tu crois ? Je sais pas, On va recommencer, on va l'avoir. Il a l'air un peu... Attends, si tu... Je comprends le côté... Avec les mains, je comprends le côté, t'as la meuf en détresse et tout, tu lui tires pas dessus, mais là, c'est un Mexicain qui fait... Attends, et si on tue juste celui au centre ? Si tu veux, mais regarde, tu regardes celui du gauche, en haut, il est clairement méchant. Ah là, il nous tue. Je comprends pas. Donc c'était ça le jeu de Retour vers le futur 2 ? C'est bien, hein ? Vraiment, il a bon goût, Marty. J'ai toujours cru que les gamins, que c'est vraiment des petits ingrats là, ils sont là, ah mais c'est nul comme jeu, tu joues avec les mains ou je sais pas quoi, des petits cons tu vois. En fait t'es en 2015, un 2015 vachement futuriste, hein, t'es genre en 2030 en fait, t'as des manuels volants tout bordel, et tu te retrouves avec devant ça, et t'es genre un gamin tu vois, t'as pas le plaisir de la nostalgie et tout. Et tu crois vraiment que tu vas dire, ah ouais, c'est super comme jeu. Donc en fait, je comprends les gamins maintenant. Tu vois, ce jeu, jouer m'a permis de comprendre les gamins de Retour au Futur 2. Mais tu veux que je sois honnête ? Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, mais je me doutais que t'étais pas d'accord. Donc, c'est rétro, t'aimes. Oh, on a réussi, on a réussi. Donc vas-y, quel est ton contre-argument ? Ah la vache, quel est ton contre-argument ? Moi, quand j'étais gamin. Et quand j'étais gamin, c'était 2008, tu vois, donc genre l'âge des gamins de Retour vers le futur, c'était 2008, donc futur. Ouais. J'étais fan de ce genre de truc. Parce que faut pas oublier que quand t'es gamin, t'es quand même vachement moins difficile. Mais ensuite. Et ça reste des ingrats, parce que quand t'es gamin, t'es quand même vachement moins difficile que quand t'es adulte. Ouais, je sais pas, il est pas incroyable, quoi. Quand j'étais gamin, mon jeu préféré, c'était Jazz Jackrabbit, hein. Oui, bon. Attends, c'est quoi ça ? Ça, c'est le vrai mode, le Pagang. Oh ouais! Yeah! Yeah! Ok, Marty! Ouais. Non, mais pour l'époque, c'est sympa. En plus, le jeu est rigolo, quoi. Les graphismes sont super sympas. Wow! Ah ouais. Oh! Ce mode-là, 0.48! 0.48! Ce mode-là, il rigole. Ah ouais! Ce mode-là, il rigolo. En fait, plus c'est bien, c'est pas raciste, tu vois. Ouh, oh bah tu l'as tué lui, carrément, voilà. C'est un Mexicain, non, du coup, tu peux le tuer. Ah, il fait une fiesta. Oh merde. Non, pour 84, c'était génial. Pour 84, même, ça, c'est cool. C'est plus rigolo que Duck Hunt, qui est beaucoup plus connu malgré tout. Parce qu'on là, il est connu pour Retour le futur 2. Duck Hunt, c'est pas ouf, quoi. C'est pas fouf. Bon, il y a un dernier jeu de NES, après on va passer à un plus sympa. Freedom Force. D'accord. Oh, les persos de ouf! Je veux être Manic Johnson. Two player game. Vas-y. Non, t'as pris one player game! Oui, mais je pensais qu'on jouait à 6-7. Attends, t'inquiète. Vas-y. Fais pas le con campé. Je ne serai pas tiré. Genre, tu t'es précipité pour mettre. What? Tire? Moi, ça marche, okay. Mais. Toi, ça marchait pourtant aussi. C'est quoi ce mec? Bam! Vas-y. Ça va. Ouais, ça marche. J'ai pas tiré. Hein. Ah, parfois la porte s'ouvre, y'a personne. Oh, j'ai tué l'otage. Rambi, j'ai tué l'otage. Ah, j'ai trop tué l'otage. J'ai balancé une énorme balle dans le ventre, quoi. Ah, il est peut-être pas mort, mais il est en train d'agoniser là, le mec. Ah, la bavure là. Oh, j'ai commencé. Oh, la double bavure. J'ai plus de balles. Comment on fait? Comment on fait? Mais j'essaie de tirer, mais ça marche pas donc. Ouais? Bah là, tout à l'heure, je vais tirer dessus et il y en a pas qui. T'as tué un mec, il s'est pas suicidé, le gars. T'as plus de balles. Mais je le vois pas, c'est nul. Ah, t'as des balles. Ah, si, c'est bon. Ok. Alors, soit t'es pas très bon, soit c'est pas très bien calibré. Pas très bien calibré. T'es pas très bon. Oh, dis ça. Oh, sur la vie de ma mère.
Fais gaffe, Kobe. Tu as touché mal. Tu as touché mal. J'ai de la lumière dans la tête, moi. Je vois pas que ça faisait vraiment de la lumière. Ça faisait une petite. Je crois que ça faisait une petite loupiote rouge. J'en ai eu un gun, plusieurs même, je crois. Et wow! Mais à la base, le gun il fait rien. C'est juste qu'en fait, il capte la lumière blanche. Oui, c'est ça. Les carrés blancs. Non, mais je crois que ça faisait une petite loupiote rouge, genre. Oui, mais c'est le capteur qui fait ça. Voilà, ça, le capteur. T'as le capteur, quoi. Incroyable technologie du passé. Alors, ok, moi je vais tester un jeu. Je vais tester un jeu qui aura passé la Super NES. C'est un jeu de bagnole qui se joue. Avec un gun, ça marche pas, mais ça se joue. Two player team. Et ça se joue à deux en plus, toi, je pensais même pas. Ok. Cooper et Mike. T'es nouveau dans le quartier. Je fais des petits doublages. Ah, c'est tout, d'accord. Ah, bonne histoire. Ouais, visiblement, ouais. Et c'est nul. Alors la question c'est comment on avance? Est-ce qu'il faut que quelqu'un joue avec la manette pendant que... Voilà. Tu es nouveau dans le quartier. Mais c'est nouveau sur le bloc. C'est quoi, c'est Minecraft? Non, ça marche. Mais comment tu fais? Je reste appuyé sur la gâchette en fait. Ah ouais, et tu là flingues en avant et du coup la bagnole, c'est incroyable. Ça ne sert à rien. Pourquoi les mecs sont dit on va faire un jeu de bagnole, on va mettre un mode light gun? Non mais c'est Titus. En même temps, ils ont fait Superman 64. On y reviendra sûrement dans une prochaine émission. Mais c'est du foreshadowing de la vie. Par contre, je suis en train de tuer tout le monde. Ils sont incroyables. Oh, c'est le rival. Oh, ils ont volé F-Zero. Il y a le concept de rival avec le même triangle. Et je crois que tu le vois là. Non, je sais pas. Ah non, tu vois le mec qui doit être en face. Tu vois le mec qui va en face, un truc du genre. Non, mais je vais trop vite là. Je vais à 250 miles à l'heure. Non, mais on est quoi que ça veut dire genre 400 km/h, ça? Van, mais c'est. C'est une Lamborghini, hein. Alors que je suis en virage. Il n'y a aucun. Aucun code de la route respecté ici. Ah bah ouais, oh, il est mort. Ah ouais, d'accord, mais en fait je retire vraiment dessus. Oui, mais je ne fais que ça en fait, je reste appuyé sur la touche de tir. Mais du coup, c'est toi qui avance la bagnole ou c'est l'ordi? Regarde, j'arrête de tirer, il avance plus. Ok. Et je reste appuyé sur la touche et donc pour viser ailleurs, il faut que je vise. Enfin, j'arrête de tirer et que je tire ailleurs. Est-ce que c'est toi qui tourne? Non. Ah ouais, ok, donc c'est l'ordi. Oui. Eh oui. Moi je ne fais qu'accélérer et tirer. Mais tu sais, il y a un jeu, attends, c'est quoi? Le son est insupportable. Ah, la musique est trop bien. Ouais, ouais, très bien, c'est juste. T'es le meilleur, bonne chance. Attends, c'est Fabio et Marie. Fabio et Marie. On est les meilleurs. Ah, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Ah, parce que deuxième course, en fait, là je vais être contre Fabio et Marie. Tout à l'heure j'étais contre Mike. Et maintenant je suis contre Fabio. Ça veut dire que nous on est lui? Non, parce que ça change de temps en temps, je comprends pas trop. Je pense pas qu'on soit... Je pense pas que tu sois lui. Est-ce qu'on est vraiment Christophe Lambert avec la mauvaise coupe de cheveux? Il y a un jeu d'arcade, je sais plus le nom, de Shave HQ, je crois. La borne d'arcade est assez sympa parce que c'est beaucoup mieux foutu que là. En fait, c'est un peu le même principe, tu vois, sauf que... T'as une main sur le volant, et je suppose que tu peux aussi les jouer à deux, je sais pas. T'as une main sur le volant et t'as un vrai gun, un light gun quoi, sur la bande d'arcade. Oh, et du coup, oui, tu conduis, et tu tires, et là t'as ton copilote, donc t'es deux flics, tu vois, et donc t'as ton coéquipier qui se penche à travers la vitre de non, la bagnole. Il y a des bandes d'arcade qui mais sont ouais faites. Et ils flinguent les bagnoles, et donc t'as des boss et tout en bagnole, et tu les exploses comme ça. Attends, mais je suis premier! Vas-y, finis ta course. Ah, on peut voir, regarde, il te reste ça. Pas con le mec. C'est si nul. Oh là là. Ça marche tellement pas. T'as mis pause. Oupsie! Attends. Mais non, mais je suis trop loin. Vite. Tu sais, au pire, on a d'autres jeux. Ah, regarde. J'ai.
On a un jeu quelque part, il traîne quelque part, il y a un jeu Nintendo dans le coin, c'est quoi? Oh mais non, attends, faut qu'on revienne sur la NES, on a oublié le meilleur, Crombi. Oublie ça, regarde. Oublie. Crombi, faut qu'on revienne sur la NES, on oublie le meilleur. Un jeu non officiel Nintendo. Ah! Alors, on voit que c'est un jeu pas licencié parce qu'ils avaient tous cette petite touche de... Tu sais, manque de texture. Et donc ça, apparemment, voilà, c'est donc un jeu incroyablement violent. Je pense que c'est un psychopathe qui a créé ce jeu. Voilà, tu tires sur des poussettes et tout, enfin, tu vois, je suis sûr qu'à l'époque, ils étaient là genre, oh mon dieu, c'est des satanistes, tu vois, quoi. C'est nul au passage, hein, c'est complètement nul. Je sais même pas ce qu'il faut faire exactement, concrètement. S'attaquer. Alors moi, je tire sur les mains pour avoir des points, mais les autres sont en train de perdre de la vie. Attends, ok, j'ai tout juste là-dessus. Je vais tirer sur la vieille, là, qui a un berceau. Ouais, on gagne des points. Je crois que c'est juste gagner plus de points, je sais pas, mais on a de la vie. Attends, j'ai zéro. Oh, mon Legion, il marche peut-être pas très bien. Moi, j'en ai un peu marre d'être debout. Je me suis ramené une chaise d'en bas. Hop. Ok, c'est mieux. C'est bon, ça marche? Ah bah là, je suis en train de raquer des points. Hein. Fais gaffe, il y a des mains qui te jettent des crânes ou je sais pas quoi. Niveau 2. Yo! Ah, je crois qu'on débloque le move. Ah ouais, yo, non, j'avais pas vu non plus. Yo! Yo! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense qu'il faut que tu tues le... Ouais, ça. Monster Meter 19. Ah ok, 18, 17, 16. Le chien c'était un monstre. Tue les trucs bleus. Wow. Quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Attends, là il y a des rats. Tire sur les gens. Mais je vois même pas où sont les... Regarde en haut de l'écran, t'as des chauves-souris. Ah d'accord, ah oui, d'accord, oui. Ah j'ai raté celle-là. Oui, t'as plus de vie là, je sais pas qui t'attaque, hein, mais tu perds un peu toute ta vie. Je pense qu'à chaque fois que je tire et que je rate, en fait, je perds de la vie. Ah ouais, peut-être bien, bah je crois que tu vas perdre. Et là... enfin, c'est fini, game over, hein, ça veut dire perdre... Ah ok, tu reviens direct sur le menu comme ça. D'accord, okay. Bon, c'est un classique des jeux de NES. Hein. Ouais, puis non, bien nul. C'était bien chelou, mais c'était bien chelou. C'était chelou, hein. Ok, on va finir avec la... Avant de passer à la PlayStation, on a une belle petite collection de jeux. Tu m'en diras des nouvelles. On va finir quand même sur un jeu Nintendo, après avoir joué à un jeu non officiel de la NES. Le Light Gun de la... De la SNES. De la SNES, voilà. C'était pas un pauvre petit flingue tout pourri comme ça. C'était un... Motherfucking bazooka. Tu tenais à deux mains comme ça, voilà. T'avais une lunette. Que d'ailleurs, beaucoup de gens vont reconnaître aujourd'hui comme étant un objet que tu peux utiliser dans Super Smash Bros. Hein. Le light gun de la SNES est un objet utilisable dans Smash. Nintendoscope sur l'épaule, tiré par infrarouge. La technologie du Nintendoscope fait de vous un tireur d'élite. Nintendoscope, exclusivement sur Super Nintendo. Un jour, Mario et Yoshi sont venus voir suspense Princess Peach. Tu vois, je m'attendais pas à ça. Non mais qu'est-ce que c'est? Dans le film Mario, le film live, que je devrais avoir un poster de ce truc d'ailleurs tellement c'est incroyable. Ah, ils avaient incroyable. Des bazooka et tout, genre des gros SNES guns. Je pensais qu'on jouait Yoshi, mais non, on est sur le dos de Yoshi et on va flinguer des trucs. Faut enlever le papier avant de... C'est joli. Ah non, attends, mais par contre... Jump. Qu'est-ce que... Tiens sur le chi. Tiens sur le chi. Mais oui. Ah non, regarde, ça lui fait un pansement. Ma vie. Mais faut pas tirer... Pourquoi tu lui tires sur Yoshi? Mais pourquoi t'as tiré sur Yoshi? Mais tu m'as dit tire sur Yoshi. C'est un boss. Mais bute-le. C'est Hammer Bro. Mais faut tirer sur les marteaux, je pense. Et c'est chaud. Ok, ça va, je maîtrise. Et c'est intense, mon gars. J'ai plus de vie, mais je peux le faire.
Yes. La boîte. C'est quoi? Mais c'est quoi? Comment tu l'utilises? Je sais pas. Ah. Quoi? Warning. Là, comme ça. Non, pas comme ça. Et ma fille. Tu es dans la série Lost. Bon. Mon ami Crumbly. On va passer aux choses sérieuses, si t'es d'accord. Qu'est-ce que tu fais? À qui tu téléphones? Vous voulez des numéros 9? Un grand numéro 9? Tu reconnais ça? Tu sais que tu pouvais le jouer mais avec le petit bidule là, le déplacer et tout. Mais tu crois vraiment que j'ai pas fait ça il y a une semaine? Ah, moi j'ai pas fait ça depuis très longtemps. Bon, Crumbly, regarde, on a plein de jeux Lightgun sur PlayStation. Qu'est-ce qui tente là? Regarde, on a un petit Area 51, hein, la célèbre. Ah non, non, mais genre, je les place pour les regarder. D'accord, regarde. Les Talent Forcer, ouais. ça a l'air de te quelque chose d'assez costaud. Je pense qu'on devrait commencer pour l'honneur par le plus casual d'entre eux qui sera Point Blank 1 et 2. Ok, bah prends le 1 plutôt alors d'abord, Crumbly. Ne sois pas un anarchiste, ne sois pas un. Attention, non, attention. Anarchiste, ok. Attention. Non. Non. Ah si, ok, autant pour moi. Vas-y. C'est parti. Oh. Est-ce que le jeu marche? Est-ce que le jeu marche? Oh. Il marche. Quoi qu'il pouvait rester bloqué là, hein. Si le logo oui, PlayStation disparaissait là. Pas, je crois que c'est plutôt là en fait que ça plantait. T'avais la musique en entier et ça restait sur le logo PlayStation toute la vie. Une seconde. Juste pour le plaisir. Alors, je ne connais pas du tout. Alors, ça ressemble presque à du Bullfrog. J'aimais bien ces cinématiques de PS1 de l'époque. Ouais. Sans trop de. Sans se casser la tête, quoi. J'aimais bien faire ça. Training. Shoot to select. Beginner. Ouais, beginner, on s'en fout du training. Random. Ah bah non. Ninja. Ah ok, j'aurais pris les oiseaux à moi à droite. Ninja, toujours ninja. Shoot 18 ninja ou plus. Ok. On a toutes les balles du monde, on a que 25 secondes, ok. Je shoot tellement de ninja. Je sais pas si je suis le rose ou le bleu. Allez, j'ai gagné, je suis sûr. Ouais, moi je suis le bleu. Oh, de peu! Bien joué. Et regarde là! Regarde là-bas! Oh, faut choisir! Vas-y, choisis. On alterne, il y en a qui choisit, l'autre qui doit choisir, il y en a qui choisit, après qui choisit. Ah, les oiseaux. Touché de vautour! J'aime pas les vautours. 20 secondes. Boulette full illimitée. Faut juste toucher les oiseaux ou tu crois qu'on peut faut pas dégommer les bonhommes? Je pense qu'il faut pas dégommer les bonhommes. Bon bah les bonhommes sont dégommés. Ah pas les bonhommes mais... Ah maintenant fail? Non j'étais content, je dansais mais non fail. Les bonhommes devaient pas toucher. Impossible. Huit targets. Do not shoot la bombe, moins une vie. C'est bien, c'est plein de mini-jeux. Moi ouais, j'aime bien. C'est WarioWare du. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ah, pas la bombe, ok.
crois que je suis rose. Ouais, je suis rose. Mais moi je sais que je suis bleu, hein, 100%. What? J'ai, par contre, j'ai perdu une vie parce que j'ai défoncé une bombe. Ah oui, en effet, oui. Et après, faut pas perdre de vie. C'est vraiment Mario Party, mais sans le côté jeu de plateau. De 1 à 16. Oh, oh, ça va être chaud, oh, parce que faut, c'est trop. Attends, fond. Et voilà, raté. Ah là 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 là. Mais c'est de la gun, les gars, c'est pas vraiment très précis quand même. What? Mais qu'est-ce que... Ah ouais, une vie, une... Je suis pas là. Derrière. Okay. Ah ouais, t'as choisi mon jeu là pour la finale. Regarde, on a plus qu'une vie chacun. Celui qui perd a perdu. Derrière. Shooter les ninjas, ça me connaît quand même. Ah ouais. Le pire, c'est je crois pas que j'ai fait un très bon score. Mais je suis sûr que t'as fait moins bon. Ah, on a tous les défaits, on a tous perdu une vie. Parce qu'il fallait en toucher 12. Non, j'étais à 11. Oh, Attends. Non, c'est fini, Crumbé. Fais start vite, vite. Start. Ah, start, oui, pardon. Ok, c'est ça. Oh, le truc. Okay, là. Ah, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air manqué à l'an 2, ça. Carrément. C'est un peu raciste, ça. Non, c'est pas raciste. D'accord. Qu'est-ce que tu... Un petit peu. Faut protéger le pélo. Comment? Ah, les flammes. C'est dangereux. c'est drôle, en fait. C'est vraiment drôle, c'est plein de mini-jeux. Plein de... Ouais. Pourquoi ça serait si simple? Une balle. Une balle. Oh non. Merde. Et ouais. La vitesse c'est son truc, la précision c'est le mien. Oui, ouais, c'est ça. Non. faut pas que tu touches les rouges, faut pas que tu touches les bleus. Quoi? Ok. Ah. Et tandis que t'as toi, tandis que toi. Est-ce qu'on fait le 2? Alors, ça, multijoueur. T'as pas du tout tiré dessus. Mais si, nouvelle partie. Nouvelle partie. Adios de mon meilleur ami. Une histoire. Non, ouais. Ah, c'est Mario Party là. Attends, je pense que je peux pas tirer. T'en tires? Ça fait passer les dégâts. Wow, j'ai tué quelqu'un. Oh non, ma fille était enlevée. Ah non, ma fille était... Ouais, mais moi je peux pas tirer. C'est dark. Alors, peut-être en fait. Que joueur 1. Peut-être c'est dark joueur. Comme histoire. Le roi apparaît et arrête. Il a l'air étrange, mais tu ne peux pas ignorer un enlèvement. Quoi? Ok. Vous savez que la princesse n'a peut-être pas été kidnappée, mais elle est... Ok, il y a vraiment besoin d'une histoire. Toi, pour l'instant, un point pour le 1, t'arrives direct, t'es en jeu, tu flingues les ninjas. Mais je suis pas sûr à 100% que ce soit en multijoueur, vu qu'il y a que Diost. Je crois qu'on s'est gouré, hein. Bah non, clairement, c'est en multijoueur, non? Attends, il a l'air de couper. Bienvenue par l'attraction. Ah bah oui, effectivement, c'était par l'attraction. C'est qui, elle? Bah je sais pas, mais du coup, on n'est pas en multi, là. T'as remarqué qu'elle avait pas de nez? Oh, j'ai une idée. Choisis une attraction. Bah, je sais pas, mais... Je sais pas, mais bon, si c'est en 600. Tu dis le mot et je le fais. Tu dis le mot et je le fais. Attends. Pas de mouvement drastique. Fais-le, ça me gonfle. Regarde. Déjà. Ah, non, pas ça. Casse pas la télé, par contre. C'est combien ça coûte une télé CRT? Attention. Boum, elle a un nez. Mais elle a un nez déjà, qu'est-ce que tu racontes là? Regarde. Attention. J'ai.
J'ai ton nez. Tournoi, attends. Tournoi de 2 à 4 joueurs. Ça paraît bien. Ouais. Ok, ok, en fait là on peut choisir tous les deux. Non. Joueur 1 tire sur un personnage. Attends. Comment ça un personnage joueur 1? Non mais regarde. C'est incroyablement chiant. Oh là là. Ok, ouais. C'est bon. Vas-y, jouez. En fait, parce qu'on a mis d'autres. On a mis des bots visiblement, je pense. Ouais. Arrivons au mini-jeu. Ça va être mieux. Ok, ça c'est le tournoi. Ah oui. Ah, c'est tellement moins bien que le premier. Je sais pas comment ils ont fait pour le casser. Alors tu vois que celui-là, il était presque prêt pour la PS2. Hein. Tu, ouais, tu regardes bah, bizarrement, je le trouve moins agréable à jouer, je sais pas. Il est clairement plus travaillé, alors je t'ai défoncé. Ah, il oui. est clairement plus travaillé, mais moins bien. Ouais, ouais il est moins bien. Hein. Il est moins fun. Alors, essayons de continuer, on va lui donner une chance. Mais j'aimais bien le concept du premier où t'avais des milliards de mini-jeux et tu pouvais juste choisir. Ouais, tu joues bam bam bam, t'es les... Il tire sur les punks. Criminel. T'en étais 7. Ah ouais, ok. Ouais. 27. Ah parce qu'il fallait tous les éliminer. Ouais ouais. Pas facile. Non. Comment t'as fait pour avoir que 48% de précision alors que c'était un mur devant nous? Eh ben je sais pas. Je vais tirer sur le côté comme ça maintenant. Oh putain, Bad Boys 2. Mais ouais. Attends, 5, ani- 5 animaux que tu entends. Quoi? Quoi? Mais oui! Ça vibre, ok. Ah, tu es. Mais non, c'était pas un... Alors, ce truc, parfois, c'est... T'entends un son. Je crois que tu l'as eu. Un 4 et 3. Alors. Mais raté quand même 5. J'ai gagné. Ah oui, bon, cool. C'est quoi? C'est intéressant, ils sont allés vers des concepts un peu plus. Il est pas mal. Il vaut pas le premier, mais il est bien quand même. Alors sachant qu'il y a un 3. Balance-nous du bon Judge Dredd. Oh. Un gun pour deux. It's a street. Ah bon? Oui. Hostages, do I have to kill before you satisfy my demands? I want dread. Deux. Gear. Waouh. You won't believe what happens next. We need more time. Come on. If I dropped a candy wrapper. Tu vois quelle époque ils avaient. À l'époque, le support CD c'était la vie pour eux parce qu'ils ont vraiment pu foutre des vidéos n'importe où. Ah, ils adoraient, hein. Dès qu'il y avait moyen de faire des vidéos, ils mettaient des vidéos. Hein. Mais c'est, pourquoi il a cette voix-là? Ils ont vu le film? Ils ont vu le film avant de recopier le film? Pourquoi c'est Ben Affleck? Pourquoi il... Pourquoi c'est Ben Affleck? Pourquoi c'est Ben incroyable. Affleck? Il est incroyable, c'est génial, tu vois que sa bouche, il arrive à tout donner avec ça, quoi. Ah non, mais il donne tout avec son lit, et la voix, elle va pas du tout, quoi. C'est pas... La voix de Stallone, encore, ça y allait, mais là, c'est pas la... Mais c'est incroyable, le mec, il nous refait Stallone, mais... You're going down, punk. Ah ouais, il nous fait du Clint Eastwood maintenant. C'est l'inspecteur. Ouh. Ok, c'est parti. Alors je fais pas de distinction, je tire, hein, peu importe qui. Ah c'est bon, je suis là.
Ah, c'était pas là. Alors, c'est très très, c'est très très le rail shooter, mais à part ça, il est bien. Alors, les flashs lumineux explosent la gueule. Oui. Et à chaque fois que tu dois reload, t'as Clint Eastwood là qui fait reload. Reload. Alors, le truc, c'est que je l'entends pas parce que. Oui, parce que c'est très bas par contre. Écoute. En fait, c'est pourquoi vraiment il ben a besoin Affleck de se le dire à lui-même, c'est. Oh, reload. Ah, par contre, c'est vraiment Ben Affleck qui imite Clint Eastwood. Ah, mais c'est incroyable. C'est pas ouf. I am the law, il le dit. Il le dit. Mais il le dit nul. C'est... Il sait pas le dire. I am the law. Comment il sait trop pas le dire, quoi. C'est. The law. Quand on le fait d'être à deux, encore plus con. C'est le mec qui parle à ses gueules, quoi. Reload, reload. Les niveaux sont super courts. Par contre, il est tellement rapide, Dread. Ouais. Je veux dire, tu sais, il court par tous les niveaux. C'est comme ça, ouais. Reload, 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 reload. I am the law. I am the law. Qu'est-ce que tu fais? Non. Non. C'était nul. Pour l'instant, je retiens surtout Lamborghini Challenge. Excellent jeu. Pas vrai, mais d'accord. Ah, c'était une blague, c'était une petite blagounette. Non, par contre, pour le vrai, Point Blank, très bien. Point Blank 1, incroyable. Hein, vraiment, ouais. Yoshi, très sympathique. Yoshi, c'est très coloré, très... Ah, ouais, dégage, Lamborghini. Wild Gunman pour la NES, honnêtement, c'était le meilleur. Par rapport à Duck Hunt, oui. Tu l'as trouvé, Yoshi? Non, j'ai trouvé l'autre. Merde, Yoshi, t'es où? Yoshi attends, là, j'ai Lamborghini. Non mais il me gonfle Lamborghini, il arrête pas de revenir. Peu importe le nombre de fois où je l'éclate. Yoshi. Bon, j'ai trouvé Yoshi. T'as sous les chips. Yoshi. Non. J'ai trouvé Yoshi. Ah merde. Il est plus dans la console. Alors ça marche, ça a l'air incroyable. C'est le jeu là, ça a commencé. Oh, c'est encore pire les flashs que Judge Dredd. Oh, le jeu est si nul. Alors déjà, tu nous... Oh, je retire ce que j'ai dit sur Judge Dredd, hein. Il était incroyable. T'as une pause. Il était incroyable par rapport à... À ce truc. Ah, c'est cool de savoir que Atari fait moins bien que... Au moins, Judge Dredd, t'avais des cinématiques. Déjà. Ouais, mais les flashs lumineux, quoi. Les flashs. Le tueur de la crypte. On a besoin de sang. Oh ouais, ah, là, c'est là. Le Crypt Killer. Konami. Développeur de jeux vidéo. Éditeur c'est de jeux vidéo. Mon ami. Ah. Il faut que je trouve un autre partenaire pour faire des jeux vidéo de... Envoyez vos candidatures à GLD a besoin d'aide à gmail.com. De quoi? Ah, mets-toi devant la porte et mets tes yeux de qui guide sur la porte pour rentrer. Ok, j'ai rien compris. C'est présenté. Non, mais c'est Konami, donc c'est trop compliqué pour nous, mais c'est vraiment bien. What? Ça. Alors tu vois, je pensais pas à cette police là quand tu me parles de Crypt Killer. Je pensais pas à cette police, ni à cette couleur, ni à ce logo, ni... Tu vois, les gargouilles me choquaient pas. Tu prends le CD, tu vois le squelette comme ça, avec du rouge partout, c'est dégueulasse, et là t'as Crypt Killer. Ouais, sur une musique disco. Sur une musique disco. Crypt Killer. Shoot to select. C'est bon, t'es là? J'ai pris au pif, hein. Ah ouais, Skyrim. Ah, c'est bien, hein. Wow, jumpscare. En vrai, c'est pas si mal. Ok, mais comment? En tirant sur le truc? Ouais, en tirant sur le truc. Alors, y'a des grenades apparemment, je sais pas quelle touche c'est. Je vois que t'as deux grenades, j'ai une grenade. Ça c'est des grenades, ça c'est des pommes de pin, je sais pas trop, mais je pense que c'est des grenades vu le contexte du jeu. Pourquoi moi game over pour moi? Parce que t'as pas fait start. Ah,
Ok, bon, c'est mon game over. Est-ce qu'on lui redonne une chance? D'accord. Alors, est-ce qu'il ressemble plus à Pascal Obispo ou à Bruce Willis? Ou à Patrick Stewart? Mais oh là, il aurait passé trop de temps au soleil, quoi. Il a fondu quand même, le pauvre Patrick Stewart. Oh là, on est... je crois qu'ils se baladent juste tranquille dans leur village. Ils sont en train de les massacrer, les pauvres. Warframe le jeu, quoi. Qu'est-ce que... Oh, j'ai réussi à faire une bombe. Mais c'était pas là avant eux. Ils sont très près de nous. Wow. 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 Eh ben, c'est un très bon jeu. Crypt Killer... Très bon enfin, jeu, très bon jeu. À part jeu, les flashs, à part... Il est sympa, il est vraiment sympa. Mais il est sympa. Il se joue. Il se joue, exactement. Moi, je dis... Zone 51. Ah ouais, lui, je le sens bien. Zone 51. La Midway. Par Midway. Ouh, Midway. Midway. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà, c'est... Midway? C'est pas des jeux de bagnole qu'ils font habituellement? Je crois que si. Et surtout, Midway, ben moi, j'entends ça et je me dis juste que c'est... ils ont appelé leur compagnie par le moment où ils s'arrêtent de développer un jeu. J'espère pas. Attends, non. Ah ouais. Ah oui, c'est... C'est beau. Alors là, il y a du niveau. Ah mais, c'est intelligent, il y a des barils explosifs. J'ai jamais vu ça dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que... Non, c'est pas tout. Comment il s'est retourné? Oui, mais c'est pas ma faute, il est... Ouais, j'avoue que pas très pro, le mec, il se... Je veux dire, s'il y a un truc que tu fais pas, c'est de mettre collé à nous, quoi. Ah mais il faut tuer l'hélico. Ah bah oui. Ah, c'est graphiquement impressionnant, hein. Encore une fois, les flashs blancs de ouais, l'infini. Les flashs blancs, c'est la mort. Ah merde. Désolé, Robert. Reload. C'est moi aussi où ils utilisent le même bruit de reload pour tous les jeux. Ouais, hein. Sauf que... Judge Red. Reload. Et sinon, on a le même mec que son métier. Non, la tue pas. Elle, c'est parce que c'était. Genre, quand c'est un mec noir, tu tires, mais quand c'est une meuf, alors là, tu dis. Non! Non, et ben voilà. Non, et voilà. Et voilà. Et là, pourquoi il a fait un bruit de dinosaure quand il est mort? Pourquoi il faut des bruits de dinosaure quand il meurt? Du coup, tu crois qu'il y a une histoire? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait une nouvelle poupée! Mais. Oh! Non! Oh, mais. Oh, ben. Il n'y avait aucune raison de faire ça! En plus, c'est nanar, mais j'adore! J'adore le côté nanar! Ah, t'enlèves les flashs blancs et c'est mon jeu préféré, je crois! Ouais. Mais c'est quoi? C'est des zombies? C'est des aliens? C'est la zone 51? Bah non, c'est des criminels! On est Ah mais non, attends, c'est zone 51, c'est vrai. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'on était dans Law Enforcer, moi. Non. Pourquoi? Et ah, mais c'est pour ça qu'ils font des bruits chelous quand ils meurent. C'est sûrement des aliens. C'est censé être des aliens, mais c'est... Mais c'est des mecs de Breaking Bad, ils sont Azmatsuit. Depuis quand c'est des aliens? Je ne veux pas aller dans Sound Options, je veux descendre. Je m'en occupe, je peux pas. Pourquoi je peux pas, d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, mais je sais pas. Attends. Et c'est mieux. Au pire. Tu sais cette sensation quand tu as la statique d'une télé cathodique qui te touche la main parce que c'est bizarre, oui. Et quand tu touches un petit peu au-dessus et que t'es un peu électrocuté à cause de cette statique aussi. Oui, t'as raison, j'avais oublié cette sensation incroyable. Est-ce que tu peux tirer sur les grenades? On dirait que non. Alors que moi, oui. Ça fait un peu rien par contre.
Ouais, mais en même temps, y'a pas de zombies. C'est pareil, les cônes grenades, c'est tout. Ouais, bah voilà, elle me dérange. Au moins, ce qui est cool là, c'est qu'on a plus de potes. Il est magique, lui. Mais il s'est baillé par lui. Ouais, non, c'est nul. Non, le jeu lui-même était marrant, mais nul, marrant mais nanar. C'est un petit marrant, ouais, c'est un petit jeu marrant nanar. Vite fait, quoi. Et tu fais la même chose. Ouais. Comment t'as là? Non, j'ai failli buter la coque. Donc on a encore des flics débiles qui se mettent devant notre viseur. Mais non, c'est une instante. Mais pourquoi il se lève? Combien il y a de braqueurs de banque dans cette banque? Hein, déjà? Ah mais le jeu est pas facile. Hein. Elle a eu de la chance, hein. La balle l'a frôlée, la meuf. Genre, ça canarde de partout. C'est genre le final de True Romance. Et qu'est-ce que font les otages? Ils se lèvent tranquille. Il veut juste pas mourir lui ou c'est juste qu'il y en a 44 dans le même endroit? Ils étaient les uns derrière les autres. Mais sérieusement, le mec il se tourne en faisant coucou! C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce otage? Les pires otages du monde! Ok, lui à la limite, il est en état de choc. Il essaye de fuir, je comprends. L'autre clairement, il s'est levé, il a fait un petit coucou. Genre, est-ce que vous voulez ouvrir un compte courant? Mais non, mais moustache, dégage, dégage. J'adore ce jeu. J'adore aussi le fait que certains des breakers de vente ont essayé d'arriver cagoulés et tout, et d'autres de s'habiller en costard mode payday. Et ils sont pas trop mis d'accord quoi sur le dress code des. Ah oups, 8% c'est peu. Non. Mais qu'arrête de courir au milieu du feu. C'est d'abord ah, par contre pourquoi c'est tous Harvey Keitel? Non. Non tout con. Oh ouais. Y a personne dans cette voiture. Si si, à l'arrière. Non, en fait le mec qui conduit il est genre tout proche, j'ai pas peur dans une voie. Je crois qu'on peut. Moi je tiens dans les pneus là. Il est là. La voiture. Ouais ok d'accord, la voiture continue d'avancer même quand le pilote est mort. En fait il y a un autre mec qui le remplace, bah ils sont. C'est pareil, ils sont 44. C'est des voitures de clown. C'est trop ça. Auto. C'est des voitures. Arrête-toi okay. Sur le bas de la route, tu t'arriveras 15 minutes en retard au taf. Un de mort dans la voiture, ok, d'accord. Deux. Trois. Ça c'était Gilbert Montagnier. Quatre. Six. Cinq. Par contre, je suis tout de suite. S'il y en a. Si à un moment il y a un innocent dans une de ces bagnoles. C'est que j'avais. Je vais voir si ça marche. Te voir coller la télé là, j'avais un petit. Tu sais les mini consoles portables avec un seul jeu dessus là, les tout petits trucs. Bien sûr, comme celle que tu avais. Pourquoi c'est devenu Far West? Comme celle que tu pouvais avoir genre McDo, ce genre de trucs. C'est le Far West. Ah mais oui, c'est le Far West. Oh, trop bien. Oh, ça a l'air épique. Et j'en avais un. C'était avec un light gun. T'avais un mini gun et le petit écran. Et tu devais shooter des, je sais plus, des soucoupes volantes, trucs comme ça. Et ben figure-toi que ça n'a jamais fonctionné, pas une seule fois. Le truc, c'est sûr. Le truc était mort neuf, quoi, tu vois. Vaporize alien cruisers, reload, then blast that mothership to space dust. Independence Day laser game, it's your way of saying welcome to Earth. Ok, des cowboys, mais c'est bon ça. Allez, flic. Lethal Enforcers 2. Gunfighters. Ah ouais, Gunfighters.
Encore une fois, la mauvaise police, mais je crois que Konami n'était pas très bon pour choisir les polices de ces jeux. Ils auraient pu faire une affiche de saloon, mais à la place, ils ont décidé d'y aller avec Street Fighter 2. Ah, c'est en noir et blanc. Non. Ok, donc c'est le même jeu. Alors fais gaffe. Alors il y a juste plus de monde. Ah ouais, là c'est l'anarchie. Ah, la musique. Oh, qu'on peut dire sur le baril, il y a qu'on peut des... Ça fait quoi? Oh, incroyable. Alors là, c'est vraiment du pur arcade à l'ancienne, quoi. Je veux dire, l'autre aussi, mais celui-ci, il a vraiment le feeling, c'est Wild Gunman du Wild Gunman du futur. N'empêche, si t'es riche, mais t'as pas d'amis, t'achètes deux guns, mais tu dual-wield. Tout à fait. Ouh, la face prend les bastos. Oh, l'otage. Ah, merde. Oh là là, on est nul. Ça recommence, ils font comme dans Zone 51, les mecs. Est-ce qu'il y avait une petite vieille qui vous a tiré dessus? Ouais, elle nous lance les limites à la gueule, cette connasse. Mais attends, on est dans le hideout des méchants, il y a des innocentes victimes, impossible, non, il n'y a pas de victimes. Ouh. C'est vraiment Red Dead Redemption. Ah mais c'est t'as toute la même intensité émotionnelle que Red Dead, hein. Le mec là, qui apparaît parfois, je dirais que c'est Owen Wilson. En plus, c'est la moitié d'entre eux. Cowboy tout foireux, Owen Wilson. Un seul. Si, je crois, non, mais genre une comédie, et, je sais plus c'était quoi. Je sais pourquoi j'ai Marley et moi. Ah ouais, ça doit être Marley et moi, ouais. Combien ils ont de petites vieilles avec des shotguns dans leur hideout? Bah c'est la grand-mère de chacun des Mexicains. Et regarde ça. Ouais. Ah, ils ont des otages. Ah, elle est morte. Tiens, Owen Wilson. Oh, son frère jumeau. Dernier crédit. On peut le faire. Ok. Ok. Ah, c'est sûr qu'on fait pas le boss avec aucun crédit. Mais si, il faut croire en nous. Oh non. Qu'est-ce que... C'est un nécro. Le boss final, c'est un nécro. Évidemment que c'est... Impossible. Qu'est-ce que... On peut l'avoir. Qu'est-ce que... Je m'attendais tellement pas à ça. Pourquoi le chef des cow-boys... Les Outlaws, c'est un indien déjà pour commencer. Et pourquoi il invoque des squelettes? J'ai plus beaucoup dit, ça va être toi tout seul. Je commence à cracher du sang. Allez, on peut l'avoir. J'ai plus beaucoup dit non plus. Non. Le grand Bino, je jugerai ta mort. Ah, t'as tué ma Je suis vraiment désolé, hein, je me suis emporté, mais au moins on aura joué à quelques bons jeux. Hein, on aura... Point Blank, je pense, était le meilleur. C'est ce jeu où je me suis plus amusé dessus. C'était clairement pas Judge Dredd ni. Non, clairement. Truc de zombie là, Chiller ou je sais pas quoi. D'ailleurs, on l'a laissé quelque part, Point Blank. Tu l'as vu quelque part? Bah, je sais pas, il doit être dans le bordel quoi. Peut-être que j'étais tombé là-dessous. Ah, je pense que je le vois. Tu l'as? GLD? C'est quoi ça? Je vais voir. Oh non. Non.